Bienvenue sur la chaîne de Congo Brazzaville Information. Si tu es nouveau, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Je suis Lassine Bouti, le directeur général de Congo Brazzaville Information. Lucien Ebata, ce businessman discret est l'un des hommes les plus riches du Congo. Qui est Lucien Ebata? Lucien Ebata, originaire du nord de la République du Congo, est un homme d'affaires congolais et canadien, fondateur, président, directeur général d'Orion Oil et de Forbes Afrique. Ebata est né à Olombo, un village situé dans le département des Plateaux, le 12 mars 1969. Il a émigré à Cuba, où il a obtenu un diplôme en droit de l'Université de la Havane en 1994. Il a ensuite émigré au Canada et a terminé des études de maîtrise en droit commercial à l'Université d'Ottawa en 1996 et a obtenu une maîtrise en droit des affaires de l'Université de Montréal en 2004. Ebata a occupé divers postes au ministère canadien des Ressources naturelles, au ministère des Ressources humaines, à la Commission de la fonction publique et au ministère de l'Environnement. Ebata a quitté la fonction publique pour former une société privée spécialisée en assurance et en fiscalité, représentant des clients devant la Cour canadienne de l'impôt. En 2001 et 2004, il s'est concentré sur le lobbying pour le compte d'entreprises et de gouvernements étrangers. Quelques années plus tard, il fonde le groupe Orion et concentre ses activités sur le négoce de produits pétroliers, c'est-à-dire l'achat et la revente des produits pétroliers bruts et raffinés, principalement sur le continent africain. Il élargit par la suite le périmètre des activités de son groupe à la location d'avions et de voitures avec chauffeurs en Afrique et en Europe. Ebata a lancé Forbes Afrique le 24 juillet 2012, la version africaine francophone du magazine Forbes, spécialisée dans les fortunes économiques et les informations de classement. Lucien Ebata fut également membre de plusieurs organisations, dont l'Association des juristes d'expression française d'Ottawa, l'Association des étudiants universitaires de la Havane, la Fédération des étudiants congolais au Canada, le Journal des résidents de l'Université d'Ottawa, la Société historique des Amériques et l'Association des amis du Louvre. Lucien Bata est marié et père de plusieurs enfants. Merci d'avoir suivi la Cibouti et n'oubliez pas surtout de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos.